L'écologie, on entend vraiment parler partout en ce moment, c'est omniprésent dans notre quotidien et au cœur de nombreux débats sociaux et politiques. En même temps, avec les inquiétudes liées au changement climatique, à l'augmentation de la pollution, des catastrophes naturelles et à la disparition des espèces et des ressources naturelles, bah ça se comprend qu'on en parle beaucoup. Mais c'est bien, on commence tout de suite avec une ambiance super joyeuse. Ce mouvement cherche à questionner les relations entre l'homme et la nature et à transformer le modèle économique et social actuel. Et tout ça dans le but de diminuer l'empreinte des activités humaines sur son environnement. Et on va pas se le cacher, l'écologie c'est même très tendance aujourd'hui. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de produits éco-friendly, d'emballages sans plastique, de transport écologique, de développement durable. Bref, l'écologie, on en entend vraiment parler partout. Mais on va mettre tout ça de côté aujourd'hui. Saviez-vous que l'écologie, c'est pas seulement un mouvement politique et social, c'est aussi une science ? Je m'appelle Lise et je suis doctorante en écologie. Depuis que je suis petite, le métier de chercheur me fait vraiment rêver. Sauf que quand j'étais petite, être chercheur, c'était surtout partir à l'autre bout du monde pour observer des espèces incroyables, passer sa vie entière sur le terrain à être témoin de phénomènes biologiques que personne d'autre n'aurait vu avant. Et aujourd'hui, j'ai bien compris que, en tant que chercheur en écologie, c'était davantage des articles scientifiques et des lignes de code que j'allais pouvoir observer. Mon quotidien, c'est d'écrire des modèles mathématiques pour essayer de comprendre comment les êtres vivants interagissent ensemble et avec leur environnement. Mais quand je parle de mon travail, on me parle rarement d'êtres vivants et plus souvent de tri des déchets, et encore moins souvent de maths. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir en quoi constitue réellement cette science, quelle écologie, à quoi elle sert, comment on l'étudie et quel rôle y jouent les mystérieuses mathématiques. Pour répondre à ces questions, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec trois chercheurs en écologie, Stéphane Drey, Étienne Rivaud et Olivier Jiménez. Mon travail il est motivé par des questions sur l'écologie des grands mammifères terrestres et marins, les ours, les loups, les lynx et les dauphins, principalement. Alors les questions qu'on aborde, plutôt basiques, genre combien y a-t-il d'animaux et où sont-ils? Et pourquoi on a ces effectifs et ces distributions d'espèces? Bonjour, alors moi c'est Étienne Rivaud, je suis enseignant-chercheur ici à l'Institut Agro, département écologie, et je réalise ma recherche au sein d'une unité mixte de recherche qui s'appelle Écologie et santé des écosystèmes, qui travaille beaucoup sur l'étude de la dynamique des écosystèmes aquatiques et des ressources, en particulier des ressources halieutiques. Et on s'intéresse en particulier à l'analyse de l'influence de différentes pressions anthropiques pour la plupart sur le fonctionnement des écosystèmes aquatiques donc et des ressources halieutiques. Moi, je m'appelle Stéphane Drey, je suis directeur de recherche au CNRS. Je travaille au laboratoire de biométrie et biologie évolutive à Lyon. Donc c'est un labo qui s'intéresse à des grandes questions autour de la biologie évolutive et puis aussi des compétences méthodo. Moi, je suis plutôt positionné là-dessus, sur les aspects un peu statistiques, développement d'outils statistiques en écologie. Mais alors, ça consiste en quoi vraiment cette science ? Donc l'écologie, c'est l'étude des processus qui influence la distribution et l'abondance des espèces. Je parlais du où et des combien tout à l'heure, donc c'est ça. Et les interactions entre ces espèces et les interactions entre ces espèces et leur environnement. Pour résumer, pour faire bref, c'est la science des interactions. Et c'est ça que j'aime moi dans cette discipline, c'est la science des interactions. Allez, prêt à rentrer dans le merveilleux monde de l'écologie ? Mais attendez, avant de commencer, faudrait peut-être savoir d'où ça vient, non ? Difficile de vraiment savoir depuis quand cette science existe et qui a commencé à faire des liens entre les différentes espèces et leur milieu. Certains font remonter la discipline à Aristote et ses étudiants, qui seraient les premiers à avoir conceptualisé l'étude des espèces et de leurs relations. Le concept d'écologie en science tel qu'on le connaît aujourd'hui, il émerge véritablement au 19e siècle avec l'intérêt croissant pour les sciences naturelles. Et c'est le biologiste allemand Ernst Haeckel, que vous connaissez sûrement pour ses superbes illustrations, qui inventera le mot écologie en 1866. Il va définir ça comme la science des relations des organismes avec le monde environnant. C'est au cours du XXe siècle que l'écologie devient une véritable discipline scientifique. Ce sont notamment les travaux de l'écologue britannique George Evelyn Hutchinson qui vont poser les bases de l'écologie moderne telle qu'on la pratique encore aujourd'hui. Il est notamment à l'origine de certains des plus gros concepts de l'écologie, comme la théorie de la dynamique des populations et le concept de niche écologique. À partir de là, l'écologie et ses diverses sous-disciplines entrent dans un boom de progrès et d'innovation. Avec les incroyables avancées en informatique et l'adaptation de techniques utilisées dans d'autres disciplines comme l'économie, l'écologie devient une science aux problématiques très variées. Ok, c'est bien beau tout ça, mais ça sert à quoi ?
Étudier comment les espèces interagissent les unes avec les autres et avec leur environnement, ça nous permet de mieux comprendre comment fonctionne le monde autour de nous, comment les différentes espèces y évoluent et les facteurs qui peuvent influencer ces interactions, et donc le fonctionnement des écosystèmes. Les hommes et leur activité sont responsables de changements rapides sur l'environnement, et on ne comprend pas encore complètement les conséquences que peuvent avoir ces changements, leur menace sur la biodiversité et l'évolution des espèces. À cause de la rapidité de ces changements, c'est important de mieux comprendre comment notre monde et les espèces qui y vivent fonctionnent, afin de mieux comprendre les impacts qu'ils vont peut-être et sûrement engendrer. Et ça, c'est l'un des grands buts des chercheurs en écologie. Écologie, c'est une science beaucoup plus large que ce qu'on pourrait penser au premier abord. En fait, une étude en écologie peut inclure n'importe quoi, des bactéries de notre système digestif, aux espèces vivant sur la banquise en Antarctique, en passant par les sources hydrothermales, les forêts tropicales, les plus hauts sommets du monde, ou tout autre milieu et les espèces vivantes qui s'y développent. Et ça, sur de très larges échelles de temps. Au sens large, avec l'idée qu'on parle aussi des processus évolutifs, qui contribuent à expliquer la variabilité qu'on voit, qu'on observe dans les systèmes biologiques. Les écologues étudient ainsi les relations et interactions qui ont lieu au sein de l'environnement, depuis les individus d'une espèce jusqu'aux facteurs influençant les processus biologiques à l'échelle mondiale. Qui dit un très large éventail de sujets, dit une très grande quantité de questions qu'on peut se poser. Le fonctionnement des écosystèmes, c'est une affaire d'interaction entre de multiples composantes. Ça va du gène aux métacommunautés. Et la compréhension de ces interactions, y a certains chercheurs qui postulent qu'on n'y arrivera jamais. Un objectif qui est par essence inatteignable. Mais néanmoins, on essaye de comprendre. Donc la construction d'une théorie du fonctionnement des systèmes en écologie, c'est globalement le plus gros challenge auquel tout le monde s'attaque, après avec des angles d'attaque qui sont assez différents. Chaque population peut être définie par un ensemble de caractéristiques qui traduisent leur état et leur fonctionnement. On peut par exemple s'intéresser à la distribution des espèces. La distribution, c'est la zone géographique où une espèce peut se développer et dans laquelle on va pouvoir l'observer. Cette distribution, elle est fortement liée à la niche écologique de cette espèce. En effet, bien qu'on trouve des êtres vivants dans la majorité des recoins du globe, toutes les espèces ne supportent pas toutes les conditions. C'est comme nous, hein. Il fait soit trop chaud, soit trop froid, pas assez de ci, trop peu de ça. Chaque espèce dispose en fait d'un certain nombre d'exigences en termes de critères environnementaux, de facteurs physico-chimiques et biologiques nécessaires à son bon développement. Tous ces critères nécessaires, c'est la niche écologique. La taille de la niche écologique varie d'une espèce à l'autre. Lorsque la niche est très large, l'espèce supporte une très grande variété de conditions environnementales. On va parler alors d'une espèce généraliste, elle va pouvoir avoir une très large distribution. Au contraire, lorsque la niche est étroite, cela signifie que l'espèce a besoin de conditions très précises pour se développer, on parle alors d'espèce spécifique et elle aura une distribution beaucoup plus restreinte. Une autre caractéristique qui intéresse beaucoup les chercheurs, c'est l'abondance. L'abondance, c'est le nombre d'individus appartenant à une espèce dans un écosystème. Et en général, les organismes sont les plus abondants là où les conditions sont les plus favorables. Cette abondance, elle traduit le bon état de santé d'une espèce. Par exemple, si le nombre d'individus d'une espèce est trop faible, elle peut avoir des problèmes pour se reproduire. Au contraire, si le nombre d'individus d'une espèce est trop important à un endroit donné, cela peut engendrer de la compétition pour les ressources entre les individus. L'abondance, elle renvoie à l'état d'une population à un instant précis. Savoir comment ce nombre peut fluctuer dans le temps et quels sont les facteurs qui l'influencent sont un autre des grands enjeux de l'écologie. C'est ce qu'on appelle la dynamique de population. On étudie alors l'évolution et la fluctuation des populations au cours du temps. Mieux comprendre les facteurs qui peuvent influencer la dynamique des espèces, c'est crucial, notamment pour la conservation des espèces. Si on connaît comment une population évolue et quels facteurs vont conditionner cette évolution, on peut mieux envisager comment les écosystèmes vont évoluer dans le futur, mais aussi les conséquences que peuvent avoir de futurs changements ou certaines activités humaines, et mettre en place de meilleurs plans de conservation. Pour nous aider à identifier l'impact de ces facteurs sur les populations, on va par exemple étudier leur effet sur la survie des individus, ou sur leur succès reproducteur, ou sur plein d'autres paramètres qui peuvent influencer la dynamique des populations. C'est ce qu'on appelle les paramètres démographiques. Waouh, c'est bon, maintenant vous avez toutes les bases de l'écologie. Mais peut-être qu'un petit exemple ce serait utile pour illustrer tout ça, non ? Un des projets qui me tient le plus à cœur, dans lequel je me suis le plus investi ces dernières années, c'est un projet qui vise à comprendre la dynamique des populations des saumons atlantiques sauvages. Hein, on ne parle pas du tout de saumons d'élevage ou d'aquaculture, hein, des saumons sauvages, au niveau de certains cours d'eau que l'on suit spécifiquement, puisque à chaque cours d'eau, on associe une population de saumons, c'est l'histoire du
du homing. Attendez, je vous explique. Le saumon, c'est un poisson amphialin, c'est-à-dire qu'il partage son cycle de vie entre l'eau douce et l'eau salée. Les saumons atlantiques, ils naissent en rivière, où ils vont passer les deux premières années de leur vie. Ils vont ensuite rejoindre la mer, où ils se regroupent en petits bancs de poissons adolescents. Et une fois qu'ils sentent que le moment est venu, souvent après 1 ou 3 ans, ils vont mettre fin à leur séjour marin pour retourner dans la rivière qui les a vus naître et s'y reproduire à leur tour. Les saumons reconnaissent leur rivière de naissance grâce à une excellente mémoire olfactive, c'est ce qu'on appelle le homing. Voilà. Mais également, on essaie d'aller jusqu'à l'échelle du bassin de l'océan Atlantique, puisqu'on a des populations de saumons qui se reproduisent dans les cours d'eau de la façade ouest, hein, c'est-à-dire le Canada, l'Amérique du Nord, et puis de la façade est de l'océan Atlantique, donc toute l'Europe. Ça va en gros de l'Espagne, avec des populations un peu résiduelles, jusqu'en Norvège ou en Russie. Donc on a pas mal de préoccupations, en fait, qui sont de l'ordre de la biologie de la conservation, hein, pour le saumon atlantique, qui subit un petit peu un archétype, hein, d'espèces qui subit de multiples pressions, à la fois dans le milieu terrestre et dans le milieu océanique, puisque donc, c'est un poisson qui partage son cycle entre le milieu terrestre et le milieu océanique. Et on constate depuis 50 dernières années un déclin des abondances. On essaye de comprendre ce qui se passe. Et ce déclin des abondances, il est généralisé. Il n'est pas spécifique à une population, il est vraiment généralisé à l'ensemble du bassin atlantique, c'est ça qui est intéressant. Donc on a l'impression d'être en face d'une espèce de signal de réponse de plein de populations différentes à une pression qui est peut-être une pression un petit peu commune. Alors bien sûr, on pense à l'influence du changement climatique. Et il y a pas mal d'éléments qui nous mettent sur la voie d'une réponse des populations justement à ce qui se passe en mer. Ce qui se passe, c'est que les populations de saumons, même si elles se reproduisent dans des rivières très différentes, elles vont se rejoindre à un moment de leur cycle de vie en mer, justement sur des zones de nourricerie où le saumon va trouver une nourriture abondante. Il se nourrit beaucoup sur le krill, des espèces de macro-invertébrés océaniques, mais également sur des petits poissons. On a des zones comme ça en mer, par exemple au niveau du Groenland, au niveau des îles Féroé, où des populations de saumons qui viennent de plein d'endroits différents se regroupent à un moment de leur cycle. Et on pense que ce qu'on voit, donc le déclin des populations dont je parlais à l'instant, est une réponse à probablement une baisse de la quantité ou de la qualité, voire des deux, des ressources trophiques que le saumon peut trouver en mer au moment de cette migration. Cela serait une réponse indirecte finalement à des changements dans l'écosystème marin qui seraient dus à des conséquences indirectes du changement climatique. Comme l'explique Étienne, l'un des grands buts de l'écologie, c'est donc d'essayer d'identifier ces causes, ces facteurs qui peuvent impacter les paramètres démographiques et donc la dynamique des espèces, et surtout identifier leurs effets. Comment vont-ils impacter ces espèces ? L'écologie, elle permet donc aussi de mesurer l'impact des activités de l'homme sur les espèces et les écosystèmes qui nous entourent. Beaucoup de chercheurs en écologie travaillent ainsi à orienter les politiques et les décideurs afin de trouver des solutions pour diminuer l'impact des activités de l'homme sur la nature, mais aussi de mettre en place des plans de conservation et de gestion des ressources naturelles et ainsi essayer de garantir la pérennité à la fois de ces écosystèmes, des différentes espèces et parfois de l'espèce humaine. Alors, c'est un travail qu'on a fait sur le lynx en France. La première cause de mortalité pour cette espèce, ce sont les collisions avec les voitures. Et du coup, un gros enjeu consiste à trouver des moyens de réduire cette mortalité par les collisions. Et donc, on a développé un modèle qui permet d'évaluer des scénarios pour réduire cette mortalité. Par exemple, construire un passage à faune. Un passage à faune, c'est en gros un tunnel ou un pont par lequel les animaux peuvent traverser une route sans courir de risque de se faire tuer par une voiture ou renverser par une voiture. Voilà. Donc on a voulu que cet outil puisse être utilisé par les acteurs du dossier lynx, et en particulier par l'État en région via les DREAL. Donc on a encapsulé toutes les composantes modélisation qui sont un peu complexes dans un logiciel que les non-spécialistes peuvent utiliser. C'est assez caractéristique des projets qu'on a en recherche, parce que c'est un projet qui ouvre plein de questions une fois qu'on l'a terminé, ou qu'on pense l'avoir terminé. Ici, on a un focus maintenant sur les problèmes de connectivité dus à la fragmentation par les infrastructures de transport terrestre, voitures et trains, hein, voies ferrées et voitures. C'est un projet où on mélange modélisation en statistique et en informatique, les différentes disciplines qui sont impliquées, écologie, statistique, des tas de disciplines de l'écologie, avec l'écologie du paysage, du déplacement, la dynamique des populations. Souvent, pour répondre à une question en écologie, on va donc s'intéresser à plein d'échelles différentes, parfois plusieurs êtres vivants, mais aussi au paysage, par exemple. Et on fait appel à plein de disciplines différentes. Et l'une de ces disciplines, c'est donc, vous l'aurez deviné, les maths, et notamment les statistiques et la modélisation. Du coup, l'écologie statistique, c'est appliquer et surtout développer des méthodes et des outils pour répondre aux questions d'écologie. Voilà.
Alors la statistique, en général, c'est, j'aime bien redonner la définition des statistiques parce qu'on l'oublie souvent, c'est la science qui permet de collecter, d'analyser et de tirer des conclusions à partir des données. Du coup, les trois sont hyper importants pour l'écologie. Hein. On a comment on récolte des données pour tester des hypothèses écologiques, comment on les analyse et comment on interprète les résultats. Oula, mais attends, faut être bon en maths pour faire de l'écologie alors ? Je pense qu'en fait, on a différents profils, c'est-à-dire que, enfin, moi, je pense, ouais, moi, je vois vraiment une interface un peu triangulaire, c'est-à-dire qu'il y a la partie un peu de développement outils, la partie plus développement théorique, méthodologique, quoi, et la partie écologie. Et après, je pense qu'on peut, on peut naviguer dans ce triangle-là et être plus ou moins. Enfin, je pense que voilà, on n'est pas obligé d'être au milieu de ce triangle pour être le parfait écologiste statisticien, quoi. Voilà, moi je suis pas un matheux pur. Moi, voilà, je pense que mais ça m'empêche pas d'exister et je pense d'apporter ma petite pierre à l'édifice, quoi. Donc, en gros, les maths sont indispensables à l'écologie, mais pas besoin d'être un grand mathématicien pour en faire. Vive les collaborations entre chercheurs et le partage de connaissances. Reprenons où nous en étions. En écologie, on essaie d'identifier différents paramètres ou facteurs qui peuvent impacter une population d'êtres vivants. Et c'est pour identifier les effets de ces paramètres sur les populations que les statistiques jouent un rôle essentiel en écologie. En gros, les statistiques nous aident à faire le lien entre ces paramètres ou facteurs et les questions qu'on se pose au sujet d'une espèce, d'une population ou d'un écosystème. Elles permettent de confronter ou de réfuter les hypothèses que l'on a faites, de comprendre quels paramètres impactent réellement les populations et surtout comment ils les impactent. Alors moi, il y a une analogie que j'aime bien faire pour décrire un petit peu ce que je fais, c'est faire l'analogie avec le travail d'un détective ou de la police scientifique, par exemple. C'est-à-dire que on étudie donc le fonctionnement des écosystèmes et de différents compartiments des écosystèmes. Et c'est assez difficile. C'est assez difficile parce que ces écosystèmes, ils fonctionnent à partir de l'interaction de multiples. Alors quand je dis multiples, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de composantes en interaction qu'il est extrêmement difficile de lister exhaustivement et de comprendre. Et oui, quand Étienne parle de beaucoup de composantes, ça peut être vraiment beaucoup. Ce que vous voyez là, par exemple, c'est une représentation simplifiée des interactions qu'on peut trouver au sein de l'écosystème antarctique. C'est déjà joyeusement chaotique, et pourtant c'est un système biologique qu'on pourrait considérer comme relativement simple. Mais c'est forcément des bribes d'informations. On n'a jamais une possibilité d'observer de façon complètement exhaustive et complète les écosystèmes. Il y a une citation qui est alors assez célèbre dans mon domaine d'application, l'écologie des pêches, qui dit en anglais « Counting fish is like counting trees, except they are invisible and they move ». Donc, compter des poissons, c'est comme compter des arbres, sauf que, à la différence des arbres, les poissons sont invisibles et ils bougent. Et ça résume pas mal, je trouve, cette idée des bribes d'informations. Et on essaye de les assembler, de les réarranger en ordre pour essayer de comprendre et de tester des hypothèses et bâtir petit à petit une théorie du fonctionnement des écosystèmes. Les statistiques sont omniprésentes en écologie. Mathématiques et écologie, c'est un beau mariage. L'écologie pose les questions et les interprétations possibles et les mathématiques nous offrent les outils pour répondre à ces questions. Alors pourquoi ça se marie bien? Je pense que c'est parce qu'on a un objet hyper, hyper difficile à étudier. Donc, du coup, on a des données qui sont assez nombreuses, assez hétérogènes dans la nature, c'est-à-dire qu'on va pouvoir collecter des données sur des espèces, sur des individus, sur de l'environnement, donc des sites, etc. Et donc toute cette variabilité, cette originalité des données et de leur structure, eh ben, ça conduit à devoir développer des outils pour les analyser, parce que les outils classiques, ils ne permettent pas de faire ça. Donc je trouve que l'écologie, en fait, c'est un domaine, voilà, de par l'objet qu'on étudie, qui induit des données qui sont un peu de nature complexe, et qu'on va avoir besoin de développer des outils, et donc c'est assez naturellement qu'on a besoin de statistiques. Et donc comment ça marche tout ça? Eh bien tout commence avec les données. C'est ce qu'on récupère sur le terrain. En gros, ce sont les pistes que l'on a sur les espèces et les questions qui nous intéressent. Ce sont les indices. Il en existe plusieurs types, comme par exemple des données de comptage d'individus, de présence ou d'absence d'une espèce sur un certain territoire, de suivi GPS, de capture-marquage-recapture, des prélèvements biologiques par exemple.
mais on a aussi des données environnementales comme le climat, des taux de pollution, des pressions humaines. Chaque type de données va nous permettre d'obtenir des réponses différentes. Et donc souvent, on choisit le type de données que l'on va récolter selon la question qu'on se pose. Par exemple, le comptage du nombre d'individus dans la population va nous renseigner sur l'abondance, tandis que les suivis GPS peuvent nous aider à mieux comprendre la distribution des espèces et comment elles utilisent leur habitat. Autre exemple, les données de capture, marquage, recapture nous permettent de connaître l'histoire de vie des individus et l'évolution des paramètres démographiques de la population au cours du temps. On a la chance d'avoir accès à des observations de plus en plus nombreuses et variées. On a la chance d'avoir accès à des observations, notamment au niveau du gène. Donc on a beaucoup parlé à un moment des puces ADN, voilà, qui donnent par exemple accès à des sources de données qui étaient impensables il y a encore 20 ou 30 ans. On a accès à des données, je change complètement de sujet, mais par exemple en termes de mode d'observation des écosystèmes, des données de type satellite, des données des sciences citoyennes par exemple qui se développent de plus en plus. On sait faire aujourd'hui de la télémétrie sur les individus, du biologging, on est capable de poser sur des individus, que ce soit des dauphins, des lions de mer, voire même des organismes beaucoup plus petits, des marques qui sont capables d'enregistrer des tas d'informations sur l'environnement à la fois extérieur et interne des individus. Voilà, donc tout cela, j'ai donné là quelques exemples, mais ça crée un afflux de données qui était complètement impensable il y a encore une quinzaine, une vingtaine d'années, et qui permet d'envisager des études et des questionnements complètement nouveaux. Une fois que l'on a toutes nos données, on va les lier à la question qu'on se pose à travers un modèle mathématique. En gros, ce modèle, il va nous permettre d'exprimer un lien entre ce que l'on observe, c'est-à-dire les données, et les facteurs dont on suppose qu'ils ont un impact sur les paramètres de la population qu'on observe. Et les statistiques, elles vont nous permettre de valider ou non ce modèle et nos hypothèses, et d'identifier les facteurs qui ont réellement un impact sur ces paramètres de la population qui nous intéresse. Mais nous, on en fait surtout à l'étape d'analyse. Donc un modèle, dans ce contexte, c'est, on dit souvent, c'est une abstraction de la réalité qu'on utilise pour extraire de l'information en utilisant les probabilités. Alors un exemple de modèle statistique assez classique, c'est la régression linéaire simple, par exemple, dans laquelle on essaie de faire passer une droite dans un nuage de points pour expliquer, par exemple, une tendance dans des effectifs de, je sais pas, d'oiseaux au cours du temps, diagnostiquer un déclin et les raisons qui expliqueraient ce déclin. Voilà. Pour aborder ces questions, on met en œuvre des démarches de modélisation de la dynamique de population, des modèles qu'on essaye d'ajuster, de caler sur tout un ensemble de données, d'observations, et qui vont être réalisées à différentes échelles d'espace et de temps, et qui sont donc, comme je le disais tout à l'heure, nécessairement des bribes d'informations. Et donc on essaye de reconstruire la grande histoire, la big picture, à partir de petits bouts d'informations. Donc par exemple, on a des données de capture de saumon en mer au Groenland, on a des données d'observation du nombre de poissons qui remontent dans certains cours d'eau, parce qu'on dispose de pièges avec différents systèmes de comptage, des caméras, du marquage recapture. Voilà, et donc la modélisation statistique va justement nous permettre de mettre tout ça un petit peu en cohérence pour essayer d'extraire un signal et puis de tester des hypothèses sur l'importance de la réponse des populations à ces grands changements écosystémiques. Quand est-ce que ça se passe, à quel moment du cycle, où ça se passe, quels sont les facteurs responsables de ces changements, etc. Ce qui est intéressant avec l'écologie, c'est qu'on a parfois de grosses surprises. En effet, on peut obtenir des résultats complètement inverses à nos prédictions. Une belle preuve qu'on est encore loin d'avoir tout compris. Marion Valex, qui travaille en fait sur les écosystèmes africains, et du coup, on avait des données, en fait, c'était des données de comptage autour de points d'eau. Donc en fait, on avait des individus qui appartiennent à différentes espèces. En fait, on savait à telle heure, à tel moment, on avait tel individu de telle espèce qui était à tel endroit, etc. Et en fait, on se posait une question qui était de se dire, voilà, les herbivores, en fait, ils ont des contraintes physiologiques qui font que, voilà, pendant la saison sèche, ils doivent aller boire, donc ils vont se rapprocher des points d'eau. Mais en même temps, ces points d'eau-là, donc ça, là, on est au Zimbabwe,
à Wangé, et en fait c'est un endroit où il y a la plus forte densité d'éléphants au monde. Du coup, à cet endroit-là, et ben en fait il y a aussi beaucoup d'éléphants, et donc en fait par exemple quand on est un zèbre et qu'on a soif, du coup on va aller boire, mais le problème c'est qu'il y a plein d'éléphants, et du coup en fait on a un risque d'être attaqué par des éléphants qui deviennent de plus en plus agressifs au fur et à mesure qu'il y a de moins en moins d'eau. Donc en fait là par exemple l'objectif c'était d'essayer de voir est-ce qu'on pouvait étudier la structure spatiale du coup de ces individus autour des points d'eau et essayer de voir en fait s'il y avait un espèce de phénomène de répulsion par rapport des éléphants sur les autres animaux et donc on s'attendrait ce à quoi on s'attendrait c'est qu'au fur et à mesure que la saison sèche avance, donc la contrainte en eau elle est de plus en plus forte, les animaux, enfin les autres herbivores que les éléphants, allaient peut-être venir à des heures où les éléphants étaient moins présents, des choses comme ça, essayer d'éviter les éléphants. Quoi. Et en fait, on s'est rendu compte, enfin on a vu exactement l'inverse. Quoi. Donc on a développé un indice qui permet de mesurer cette agrégation spatiale. Donc pour ça, on a divisé la zone autour, une forme de cible, on avait des cases, on regardait les cases adjacentes, comment étaient. Enfin, voilà, et après, en fait, on a fait tout un travail sur ce qu'on appelle les modèles nuls. Donc en gros, c'est que quand on observe quelque chose, on va pouvoir dire, voilà, là, je mesure une agrégation qui vaut 0,8. Et après, on se dit, qu'est-ce qui se passerait si en fait les individus étaient pas, se distribuaient au hasard par rapport aux éléphants. Donc là, il y a toute une réflexion à se dire, comment je définis en fait un arrangement des individus qui correspondrait au fait que l'éléphant n'a aucun effet sur les autres espèces. Donc là, il y a eu toute une réflexion sur un peu cette distribution de la statistique sous l'hypothèse qu'on appelle l'hypothèse H0, quoi, l'hypothèse qui est pas d'effet des éléphants sur les autres espèces. Et donc voilà, et donc le résultat qu'on a eu, c'est carrément l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, on voyait une attraction des éléphants, on voyait qu'en fait, les éléphants attiraient les autres espèces. Donc là, on s'est posé plein de questions, on s'est dit, mais pourquoi ? Alors, on avait une hypothèse qui était... Peut-être qu'en fait, ils font ça pour se défendre des prédateurs. C'est-à-dire que, en gros, je vais aller me mettre à côté d'un éléphant. Comme ça, le lion, il a peur des éléphants. Du coup, il ne viendra pas m'attaquer, quoi. Donc ça, c'était une hypothèse. Ce qu'on suppose plutôt, c'est qu'au fur et à mesure que la saison sèche avance, en fait, la qualité de l'eau au point d'eau va se détériorer parce que les animaux vont aller uriner ou il y a plein de déchets organiques qui vont apparaître dans l'eau. Et en fait ce qu'on a vu c'est qu'en fait les animaux en fait étaient attirés par les éléphants, mais ils n'étaient pas attirés par les éléphants n'importe où, ils étaient attirés par les éléphants à l'endroit en fait, où l'eau était pompée, parce qu'en fait, c'était des points d'eau artificiels, donc l'eau était pompée dans des nappes phréatiques et ensuite rejetée. Et en fait, ce qu'on voyait, c'est que les animaux, en fait, c'est pas qu'ils étaient attirés par les éléphants, mais c'était plutôt qu'ils étaient attirés par les pompes. Et du coup, ils allaient, au fur et à mesure que la saison sèche avançait, ils allaient boire en fait, le plus près possible du robinet, parce que l'eau, elle était moins polluée. Quoi. Si les données conditionnent les réponses qu'on va pouvoir obtenir, elles conditionnent aussi le modèle et sa précision. Pour comprendre ce qui se passe, pour tester l'influence de différentes pressions et pour, par exemple, réaliser des projections de l'évolution de la population dans le futur sur différents scénarios. Voilà, on a besoin de ces modèles-là. Et pour les construire, il nous faut des données. Et si, par exemple, vous imaginez une population de poissons, jamais ou très rarement dans le milieu naturel, vous n'aurez accès à un comptage exhaustif qui permet d'évaluer la taille de la population de poissons dans la mer. Vous aurez accès à des observations indirectes. Par exemple, un bateau qui passe avec un radar acoustique et qui vous dit « il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup ». Il y en a plus que l'année dernière, il y en a moins que l'année dernière. Voilà. Et donc ces données-là, elles sont une représentation incomplète du processus que l'on imagine. Il faut faire le lien entre les deux. La modélisation a donc un autre super pouvoir, celui de prédire comment vont évoluer les écosystèmes dans le futur. Une fois que l'on a validé à l'aide de statistiques notre modèle, et donc les facteurs qui impactent un écosystème et ou une espèce, on peut ensuite simuler comment ces derniers vont évoluer si ces différents facteurs changent. Cela permet par exemple de mieux définir des projets de conservation efficaces sur le long terme, notamment dans le contexte du changement climatique. C'est celui de ce qu'on appelle l'écologie prédictive en fait, c'est d'essayer de pousser l'écologie à devenir une science prédictive. Comment prédire les phénomènes écologiques ? Alors dans un futur proche ou moins proche, mais ça demande de manipuler des systèmes de grande dimension, et donc ça demande de coupler écologie et physique, par exemple, océan et atmosphère, pour prendre un autre exemple. Donc ça demande aussi de réfléchir à comment propager les incertitudes
d'estimation et d'échantillonnage tout le long de l'analyse jusqu'à la prédiction. Donc il y a un gros enjeu de ce côté-là. Le développement de nombreuses nouvelles technologies et les immenses progrès que l'on a observés ces dernières décennies en informatique, et notamment en termes de puissance de calcul, ont permis le développement de plein d'outils qui permettent de répondre à des questions beaucoup plus complexes en écologie aujourd'hui. L'écologie, c'est une science en constante évolution qui grandit grâce au développement de nouveaux outils, mais aussi grâce à l'interdisciplinarité. Plus on avance dans le temps, plus les questions que l'on se pose deviennent vastes et complexes. Chaque nouvelle réponse apporte une question supplémentaire, et on est loin d'avoir tout compris aux écosystèmes qui nous entourent. De plus, l'écologie, elle doit aussi faire face à de nombreux défis. On peut par exemple penser à la problématique des données qui sont de plus en plus nombreuses et complexes à analyser. Il y a un enjeu très important aujourd'hui autour de cette question du big data. Les pièges photos, l'ADN environnemental, les GPS, les drones, les photos aériennes, les satellites, etc. On se trouve confronté à des masses conséquentes de données. Et c'est souvent difficile d'extraire l'information pertinente dans ces données, quoi. Donc le deuxième enjeu, c'est celui des données massives, en fait. Et du développement d'approches qui permettraient d'apprendre de ces données. Et aussi d'automatiser des tâches qui deviennent impossibles à faire par les humains, vu la taille des jeux de données, quoi. On voit bien émerger toutes les questions d'intelligence artificielle ou des choses comme ça, pour un peu ce traitement automatisé. Le mot-clé principal, c'est il faut être capable de faire du lien entre l'observation sur le terrain, le questionnement, donc le côté un peu naturaliste, le questionnement d'écologie. Donc il y a une théorie un peu en écologie qu'il faut assimiler. Et après, derrière, il y a des outils un peu quantitatifs. Ce lien, il peut se faire de différentes façons. On n'est pas obligé de l'aborder frontalement, seul. Et donc avec tout ça, on doit essayer de trouver comment arriver à un équilibre. Un équilibre durable entre ces activités humaines qu'on va continuer à avoir, et puis la nature qui nous fait vivre. Donc ça sous-entend de mieux comprendre les interactions qu'on a entre les acteurs, les humains, et puis les acteurs non humains, animaux, végétaux, enfin tout. Les acteurs non humains, et pourquoi ces interactions elles mènent parfois à des conflits, et puis contribuer à amener des éléments scientifiques pour essayer de résoudre ces conflits. Voilà. Donc ça veut dire aussi travailler sur de l'écologie, aux sciences humaines et sociales, quoi. On ne peut pas comprendre ces systèmes complexes avec seulement par l'angle de l'écologie ou de la modélisation. Il nous faut les sciences humaines et sociales. Le terrain de jeu est immense. Et il va devenir de plus en plus grand, je pense. Et les enjeux qui sont derrière sont également immenses et vont également sans doute grandir encore plus, hein, avec ce qui est devant nous, c'est-à-dire la crise actuelle de la biodiversité, l'influence du changement climatique et plein d'autres questionnements. L'écologie, c'est donc une science absolument fascinante et pluridisciplinaire qui mélange plein d'autres sciences, dont nos fameuses mathématiques, afin d'essayer de mieux comprendre le monde vivant qui nous entoure, comment vivre au mieux avec lui et à quoi il ressemblera demain. C'est une science en perpétuelle évolution, accompagnée par de nombreux progrès en informatique, en statistique et en modélisation, qui nous permettent de répondre à des questions de plus en plus complexes et variées. Et puis de temps en temps, après souvent pas mal d'efforts, on a la satisfaction d'arriver à répondre à certaines questions quand même, hein, puisque c'est ça la recherche, on ne fait pas que chercher, parfois on trouve. Et plus on découvre de nouvelles choses sur comment les espèces et les écosystèmes fonctionnent, plus on ouvre de nouvelles pistes et de futures questions. Une chose est sûre, le monde qui nous entoure nous réserve encore bien des surprises et plein de pistes de recherche super intéressantes. Pour réaliser cette vidéo, on a eu la chance d'avoir le soutien du GDR Ecostat. Le GDR, c'est un groupement de chercheurs en mathématiques, en statistiques, en informatique et en écologie, et qui sont intéressés par le développement de méthodes ou d'outils statistiques pour répondre aux problématiques de l'écologie et de la biologie évolutive. Ils proposent plein d'actions, et notamment des rencontres, pour mettre en avant l'écologie statistique, faciliter le lien entre les chercheurs, mais aussi avec des étudiants. L'objectif, en fait, de ce GDR, c'était... C'est vraiment quelque chose justement qui est tourné plutôt vers les jeunes, quoi. C'est-à-dire que
que nous, les vieux, on se connaît, quoi. Donc, comme on aime bien boire des coups, tout ça, on organise des rencontres où on peut se revoir et boire des coups. Mais l'objectif, c'est quand même plutôt aussi de faire connaître cette discipline, parce qu'en fait, on est sur des choses, enfin, les choses qui sont à l'interface, quoi. Voilà, entre statistiques, écologie, etc. Merci beaucoup à eux de nous avoir fait confiance sur ce projet. Et venez aux rencontres, c'est vraiment super sympa.